if the light is going to be as it is, I would prefer to wear shades. I mean, I'm just thinking about how it's affecting my eyes. So I want to be able to look at you without, I don't mean to butt into your game, but can we tilt that a little and see how she looks? That's better, but how is it for you? Il y a 50 ans, à Los Angeles, Jeffrey Perkins régnait sur les images du Summer of Love californien. Avec son groupe de bidouilleurs, Single Wing Turquoise Bird, ce pionnier crée le premier light show pour concert de rock de l'histoire. Armés de projecteurs, ces visionnaires de l'art visuel accompagnent les concerts du Velvet Underground, de Cream ou de Pink Floyd, 20 ans avant l'apparition du mot « VJing ». It was like a jazz quartet, and sometimes we were working collectively as far as the appearance on the screen, and other times there were solo pieces, and I had a particular solo piece that I did. I was making superocular art. Jeffrey, c'est l'outsider de Fluxus, l'un des collectifs d'art contemporain les plus importants du XXe siècle. Son combat, supprimer la frontière entre l'art et la vie. Au cœur des 60s, Jeffrey est le compagnon de route du fondateur George Maciunas, du plasticien Joseph Beuys, du vidéaste Nam June Paik ou de Yoko Ono, la femme de John. À 76 ans, Jeffrey Perkins est aujourd'hui l'invité du LUF, le Lausanne Underground Film Festival. Au passage, dans ce concert de Martin Rev, de Suicide, il constate que son art des images a fait des petits. Au LUF, Jeffrey présente son dernier film, George, un portrait de son copain George Maciunas. George Maciunas was an interesting man. The popper of Fluxus did the best he could to bring us together and for the common good. Art for the people, art out in the streets, no more museums, no galleries too. It was unprecedented that it had no references. I couldn't say it's like that. It was immediately, it was existential. It was pure existentialism. Né en 1943, Jeffrey Perkins grandit dans le Massachusetts. À 17 ans, se rêvant peintre, il intègre une école d'art à New York. La mort soudaine de son père l'oblige à s'engager dans l'armée de l'air. En 1963, il est affecté à Tokyo. Il y rencontre Yoko Ono et son premier mari, Anthony Cox. 3 ans plus tard, ils emménagent à New York et élaborent leur premier happening artistique. En 1966, Perkins réalise son premier film estampillé Fluxus, Shout. Ici, à gauche, il incarne Yoko dans l'une de ses engueulades quotidiennes avec Cox. Yoko lui demande alors de filmer son Fluxus à elle, l'hymne à la fesse, Bottoms. The idea of uniqueness or the existentiality of good ideas, of pure ideas or fresh ideas. These are usually coming from our unconscious, and we don't plan it, but it's a kind of an amalgam of your consciousness and unconscious that creates unique forms. 27 ans plus tard, invité à Séoul, Jeff Perkins rend hommage au film de Yoko Ono dans sa performance Butthead. En 1967, Perkins tombe amoureux de Bobby Shaw, ici avec Buster Keaton. Rejoignant cette star des beach movies à Hollywood, il se retrouve en plein Summer of Love, fréquentant les copains acteurs de Bobby comme Jack Nicholson et les clubs hippies. Le jour, nommé directeur artistique de la Cinémathèque 16 sur Sunset Boulevard, il fait découvrir l'avant-garde new-yorkaise aux Californiens. La nuit, il expose les hippies sous LSD à ce qu'on appelle alors l'expanded cinema, le cinéma élargi dans ses light shows. It was like a living painting. Sam Francis, who saw our light show, in fact, at the Shrine during rock and roll concerts, he decided to generously patronize our work. And so he presented us as the Sam Francis light show, whereas he really never did anything in the light show. Sans rancune, Jeffrey réalise quelques années plus tard le portrait de son copain Sam, qui cartonne en reproduisant sur la toile ces taches d'huile mouvantes qui font le succès de l'Expanded Cinema. Mais si la cote de Francis explose, celle des light shows sous acide s'effondre. Dépité, Jeffrey retourne à New York. Pour payer son loyer, il devient chauffeur de taxi. Une traversée en solitaire qui durera 20 ans. C'est là qu'un soir, la chance s'invite dans son cab sous la forme d'un vieux copain de Fluxus, un certain Nam June Paik. He said to me, "You're the ultimate Fluxus underdog. I've got an idea. If you record your passengers, we'll publish a book. And Gino DiMaggio in Milan will publish the book, and you'll be Jeff Perkins, the Fluxus cab driver." And you're from New York, and you make movies, or what do you do? Pendant 7 ans, Jeff Perkins accumule près de 500 heures de Cosette sur des cassettes. Mais avec la mort de Nam June Paik en 2006, le livre tombe à l'eau. Sous le titre Movies for the Blind, Jeffrey fait alors écouter ses enregistrements dans des galeries d'art. Et en roi des obstinés, il fait appel à des comédiens pour transposer ses enregistrements audio en film. I'm writing and directing and shooting them, DPing some of them. Just short films right now. I'm not gonna do that till I'm ready to make a good one, not a crappy one. And what was your first visual hallucination? Visual hallucination? My dreams. My dreams, my primary dream. I dreamt of being conscious of being in infinite space, and that I was floating in an infinite atmosphere. I was seeing it as a tactile atmosphere, like in fog or something like that, but it had a more granular nature. I was in it. And I realized that being there, that I was alone forever, and that it would always be there. There would never be anything else.